Tu ne sais pas prononcer Rukups. En japonais, il s'appelle littéralement pigeon. Quant à sa préévolution, c'est popo, le bruit que fait un oiseau. C'est pas génial, alors comment traduire ça en français? Cui-cui? Non. Si son évolution est un pigeon et qu'il lui faut un cri d'oiseau, alors ce sera Rukul, avec un petit jeu de mots. En évoluant, il passe de cool à méchant, comme s'il voulait te rouer de coups. Rukul, Ruku. Sauf que voilà, Rukups, c'est plus facile à dire, ça sonne mieux, même l'animé fait l'erreur. Rukups à l'attaque! Le traducteur en est très triste, son travail défiguré par tout le monde. J'ai un regret de ne pas avoir dit au studio d'enregistrement qui faisait le dessin animé qu'on disait pas Rukups, mais Ruku. Ça fait 20 ans qu'il parcourt internet pour dire que...